Alors, une approche tout à fait, enfin, assez différente finalement, donc, que celle du répertoire des sculptures allemandes des musées de France que vont nous présenter Sophie Guillot de Suduiro, qui est conservatrice honoraire au département des sculptures, et Laurence Brosse, qui est la responsable de sa documentation, et nous expliquer comment cette enquête à travers les collections des musées de France ou les collections publiques françaises peut déboucher aussi sur des questions de style et de reconnaissance des provenances des œuvres. Le répertoire des sculptures allemandes des musées de France est élaboré dans le cadre d'un programme de recherche de l'INHA, Institut National d'Histoire de l'Art, sous la responsabilité d'Isabelle Dubois-Brinkmann, pensionnaire à l'INHA. Le musée du Louvre est le principal partenaire de ce programme. C'est en étroite collaboration avec Laurence Brosse, chef de la documentation du département des sculptures, que se poursuivent les travaux préparatoires aux notices de la base de données des sculptures allemandes qui sera en libre accès sur Agora, le portail de l'INHA. Nos autres partenaires privilégiés sont le musée Unterlinden de Colmar, le musée des Beaux-Arts de Lyon et le musée de l'œuvre Notre-Dame de Strasbourg. Les œuvres des musées de France n'offrent pas un panorama complet de la sculpture allemande. L'aire géographique concernée par nos recherches correspond, grosso modo, à la moitié sud de l'Empire germanique, entourée ici d'un trait noir, en y incluant la Confédération helvétique. Dans ce vaste territoire, l'histoire de l'art a défini des régions dites « artistiques », qui correspondent à peu près aux régions historiques, les cercles de l'Empire. Les sculptures des musées de France sont en majorité originaires de ces régions, le Rhin supérieur, Oberrhein, la Souabe, la Franconie, la Bavière, l'Autriche avec le Tyrol, la Suisse. La période envisagée s'étend du milieu du XVe siècle aux années 1525-1530, à la veille de la Réforme. Ce sont les habituelles limites chronologiques du Spät gothique, le gothique tardif. L'expression est d'un large emploi dans l'historiographie allemande, mais d'usage beaucoup moins courant en français pour désigner cet art, dit aussi, de la fin du Moyen-Âge. L'appellation gothique tardif met ainsi l'accent sur la phase finale de l'art gothique et sur ses caractères autonomes, placés en contrepoint de l'art de l'Italie de la Renaissance au XVe et XVIe siècle. Faute de temps, nous ne pouvons développer ici des réflexions approfondies sur l'ambiguïté de ces étiquettes stylistiques appliquées aux périodes et aux artistes. Le corpus comprend près de 500 sculptures conservés dans une soixantaine de musées. Ils sont disséminés sur le territoire français, mais avec une plus forte densité dans l'Est et à Paris. Le recensement des sculptures allemandes s'appuie sur mes enquêtes menées au département des sculptures lors de la préparation de diverses publications. Et il se poursuit grâce à l'aide précieuse de nombreux collègues, notamment dans le cadre du réseau Sculptures des musées de France, Moyen-Âge et Renaissance, créé en 2003. Les sculptures sont étudiées sous tous leurs aspects. Matériel, stylistique, historique et iconographique. Nous développons particulièrement l'étude matérielle, qui fournit des indices de première importance pour attribuer une sculpture à un atelier allemand et déterminer sa fonction d'origine. Parmi les critères spécifiques du travail de bois, citons ce que vous voyez à l'écran, le profond évidement au revers des figures sculptées provenant de la caisse des retables, les traces laissées sur la tête et sous la base par les pointes métalliques de l'étau de l'établi allemand qui permettaient de faire pivoter la sculpture au cours de la taille et l'emploi du bois de tilleul prépondérant dans le sud de l'Empire. Par polychromie, nous entendons l'ensemble des couches qui recouvrent le matériau de la sculpture. Couches préparatoires, feuilles métalliques, or, argent ou autres métaux, couches colorées, décors rapportés. L'observation visuelle par les restaurateurs et les analyses en laboratoire sont indispensables à une étude approfondie. La collaboration avec le CDRMF, Centre de Recherche et de Restauration des Musées de France, permet ainsi d'enrichir les connaissances sur les techniques spécifiques de la polychromie allemande. Étape finale de l'exécution de l'œuvre, la polychromie précise le modelé, suggère tout à la fois la préciosité irréelle de l'image par l'éclat de l'or et son aspect réel par le traitement illusionniste des carnations, des étoffes et des accessoires. La dorure domine et s'affirme en contraste avec les couleurs vives. Ces effets luxuriants sont typiques de la polychromie des sculptures allemandes. Je laisse la parole à Laurence Brosse. Vous m'entendez ? Donc le portail Agora fédère les bases qui font partie des programmes de recherche de l'INHA. Et pour toutes les bases des œuvres, on retrouve la même structuration qui est donc celle de notre répertoire. Donc à l'écran, un exemple de notice. La Sainte-Anne Trinitaire de l'atelier balois des Gunterzumer. La notice est organisée en 6 chapitres ou blocs
identification, c'est-à-dire le titre, le type d'œuvre, localisation, description, création, exécution, c'est-à-dire la mention de l'auteur ou du centre artistique à la datation, historique et documentation, principalement la bibliographie. Il est aussi possible de lier les notices entre elles, par exemple, regrouper tous les éléments dispersés d'un retable. Donc, par rapport à d'autres bases Agora, nous avons vraiment plus particulièrement développé la description de l'œuvre. Donc, description de la fonction d'origine de la sculpture. Ici, c'est une statue provenant de la caisse d'un retable, par exemple. Mention des diverses analyses et restaurations de l'œuvre, comme identification du bois, analyse de la polychromie. Description technique très développée et divisée en deux parties. L'une pour le bois et la structure de l'œuvre, l'autre pour la polychromie. Nous avons adopté une trame très rigoureuse afin vraiment d'employer toujours les mêmes termes et dans le même ordre. En outre, la description bénéficie d'une indexation avec un thésaurus matériaux et un thésaurus technique, tous les deux en cours de refonte complète et développée avec les équipes de l'INHA. La description iconographique est également très importante, particulièrement riche et spécifique à chaque œuvre. Son indexation fait appel au thésaurus Garnier, thésaurus iconographique. Alors, pim. Donc, dans le bloc création-exécution, toutes les personnes liées à l'œuvre sont mentionnées. Pour les œuvres anonymes, c'est un cas très fréquent pour notre corpus, l'usage du terme anonyme est imposé, suivi de l'adjectif précisant le lieu et les dates d'activité par quart de siècle. Par exemple, anonyme balois, troisième quart du 15e siècle. Donc cette contrainte peut conduire à des simplifications, comme par exemple anonyme allemand pour un sculpteur de l'Allemagne du Sud. Sont aussi mentionnés les graveurs ayant inspiré le sculpteur, comme ici Israël van Meckenem, qui reprend une composition perdue du maître ES. Donc, l'historique, lui, détaille les mentions habituelles que l'on trouve dans les bases de données, de provenance, de différents propriétaires ou de collectionneurs, ainsi que les modes et dates d'acquisition. Chaque collection donne lieu à la création d'autres notices assez importantes, les notices collection et collectionneurs. Bon, la rédaction de l'historique est vraiment dépendante de la documentation de chaque musée de France et ne donne en général pas lieu à des recherches poussées dans les archives. Alors pour résumer, cette base n'est pas seulement un simple recensement des sculptures allemandes dans les musées de France. Dans le cas de la structuration des notices Agora, nous avons vraiment choisi de développer certaines rubriques et notamment de mettre l'accent sur l'étude matérielle des œuvres. Donc la description visuelle de sculptures inédites, et il y en a beaucoup, pourrait en particulier rendre possible des découvertes ultérieures. Ces notices constituent donc un socle susceptible de porter la recherche à venir, et notre objectif est de les rendre accessibles au cours de l'année prochaine. L'exemple de Bâle permet d'illustrer ces riches possibilités de découvertes. La ville de Bâle est aux côtés de Strasbourg l'un des principaux centres intellectuels et artistiques du Rhin supérieur. Des années 1480 à 1525 environ, la production artistique est florissante, les commandes religieuses affluent et les œuvres sont largement diffusées hors de la cité, en particulier dans la partie méridionale de l'Alsace, alors incluse dans le diocèse de Bâle. La production s'organise dans le cadre des corporations qui réglementent le travail des divers corps de métier. Membres de deux corporations différentes, les sculpteurs et les peintres bâlois collaborent souvent à des ouvrages communs, comme les retables d'hôtels. Il est précisé que les sculpteurs n'ont pas le droit de polychromer leurs œuvres, cette tâche étant réservée aux peintres. Les destructions des iconoclastes lors de la Réforme ont anéanti la quasi-totalité des sculptures religieuses à Bâle en 1529. C'est donc surtout dans les régions voisines de Bâle que l'on conserve encore des témoins épars de la production, principalement des éléments détachés de retables démembrés. Après la publication des sources bâloises par Hans Roth, Annie Kaufmann-Hagenbach, en 1952, a défini plusieurs groupes stylistiques autour de maîtres anonymes et de sculpteurs mentionnés dans les textes, tels que Lepselter, Hoffmann et les Guntersumer, dont nous allons voir des exemples. La diversité stylistique de la production sculptée bâloise est manifeste. Il n'y a pas un style unitaire au sein d'une seule famille stylistique, mais des styles distincts, nourris d'apports extérieurs,
styles qui peuvent coexister et se ramifier en nuances variées ou s'interpénétrer. Panchika Begri de Pape, directrice du musée Unterlinden, et moi-même, nous avons poursuivi les recherches sur les ateliers balois. L'une des difficultés réside dans le partage stylistique entre les œuvres sculptées à Bâle et celles produites à la même époque à Colmar, où étaient établis d'actifs ateliers en lien avec les sculpteurs balois. À titre d'hypothèse, Annie Kaufmann-Hagenbach a identifié l'auteur de ce Saint-Laurent au sculpteur Heinrich Inzenhut, dont aucune œuvre attestée n'est conservée néanmoins. Aux quelques sculptures rapprochées stylistiquement du Saint-Laurent, nous avons ajouté une Vierge à l'enfant qui était auparavant considérée comme colmarienne. Cependant, le type féminin, l'expression grave et l'agencement du drapé reprennent plusieurs traits caractéristiques du Saint-Laurent. Cette Vierge appartient ainsi au même groupe stylistique, mais elle reste anonyme, car il est impossible de retenir une attribution précise à un sculpteur ou à son atelier, faute d'œuvre de référence attestée. Le décapage complet de la sculpture, ce qui est souvent le cas, empêche les comparaisons avec la belle polychromie d'origine du Saint-Laurent. Citons très rapidement l'Epselter, à propos duquel nous n'avons pas de nouveautés à signaler. Quelques témoins assurés de la production de son atelier balois sont conservés à Delémont et à Bâle. Le style de ses sculptures trahit la formation swab de l'Epselter et se distingue de celui de ses contemporains, des contemporains balois du sculpteur. Autour des œuvres attestées ont été regroupées une vingtaine de sculptures. Certaines sont conservées dans les églises ou les musées du sud de l'Alsace, notamment à Guebwiller, Colmar et Thann. Permettez-moi de renvoyer à mon article de 1998, pour ceux que ça intéresserait, qui recense toutes les attributions à l'atelier de l'Epselter. Et maintenant, Martin Hoffmann. Martin Hoffmann, originaire de Thuringe, s'installe en 1507 à Bâle, où il meurt vers 1530. De ses œuvres attestées, il ne subsiste plus que deux bustes de prophètes, payés en 1521, qui dévoilent une toute autre personnalité artistique que celle de l'Epselter. Hoffmann se montre l'héritier de la sculpture strasbourgeoise en reprenant la formule dite du buste accoudé. Il l'interprète dans un style expressif et animé et crée des types masculins qui lui sont propres, des visages largement modelés, aux traits accusés. En même temps, dans les figures en pied qui lui sont attribuées par comparaison, comme ce Christ de douleur conservé à Colmar, Hoffmann reprend des caractéristiques stylistiques de l'art franconien qu'il a sans doute connu. En témoigne l'agencement du drapé mouvementé qui se déploie en avant du corps. Nous avons autrefois publié plusieurs sculptures des musées de France attribuables à Hoffmann et à son atelier ou à son entourage balois. Et en dernier lieu, à titre d'hypothèse, la Vierge à l'enfant d'Issenheim, conservée au Louvre. Mais aujourd'hui encore, des découvertes inédites enrichissent le corpus. L'attribution et la datation de cet évêque, conservé au musée de Chaumont, auparavant considéré comme une œuvre française du XVIIe siècle, sont fondées à la fois sur des critères stylistiques et sur l'observation matérielle de l'œuvre. Sa polychromie d'origine, bien conservée, présente des techniques d'exécution comparables à celles de sculptures baloises. Et maintenant, nous évoquerons les Guntersumer. Annie Kaufmann-Hagenbach a attribué aux Guntersumer un important groupe d'œuvres baloises de style homogène, réalisées de 1490 environ au début des années, jusqu'au début des années 1520. Cette période correspond à l'activité à Bâle de Jos Guntersumer et de son fils Dominicus. Les attitudes calmes, les drapés aux plis rectilignes animés de replis d'étoffe arrondis, le modelé simple des visages et les expressions retenues définissent le style de cette famille baloise. Mais l'hypothèse du lien avec l'atelier des Guntersumer est fragile, car les œuvres de référence ont toutes disparu. Deux retables importants, le retable des Dominicains de Bâle, payé à Jos en 1504, et le retable de Saint-Étienne de Mulhouse, exécuté par Dominicus en 1513. Panchika Begri et moi-même, lorsque nous avons mis en évidence les caractères balois de la Sainte-Anne Trinitaire de Wasserburg, conservée au Louvre, et du Saint-Jacques de Kebergsberg, conservée à Colmar, nous avons adopté l'attribution traditionnelle à l'atelier des Guntersumer, mais sans tenter de distinguer l'activité du père de celle du fils, comme le proposait autrefois Annie Kaufmann-Hagenbach. D'autres œuvres des musées de France, par exemple une Sainte-Anne au musée de Guebwiller, appartient à cette même famille stylistique baloise. Lors de l'acquisition, en 2013, de cette Vierge à l'enfant, Panchika Begri de Pape en a reconnu le style balois, la voilà à l'écran, dit des Guntersumer, par comparaison avec des figures féminines attribuées à cet atelier. L'œuvre a appartenu au sculpteur Théophile Klemm, qui, à la fin du XIXe et au début du XXe siècle, a dirigé à Colmar un atelier prolifique où ont été restaurées ou créées de nombreuses sculptures et des retables. Diverses réfections et la chatoyante polychromie néogothique de cette Vierge sont sans doute des interventions de l'atelier de Klemm.
Les marques de mise au point sur les visages attestent qu'une copie de la sculpture a été réalisée dans l'atelier de Clem. En affinant l'étude iconographique de la sculpture, nous avons compris que la Vierge, assise sur un banc avec l'enfant Jésus debout sur ses genoux, ne formait pas à l'origine une sculpture mariale autonome. Tournée vers un personnage situé à leur gauche, la Vierge et son enfant faisaient partie d'un ensemble, une représentation de Sainte Anne Trinitaire réunissant trois personnes, Anne, sa fille la Vierge Marie et son petit-fils Jésus, selon une formule iconographique en faveur à l'époque. La composition prenait souvent place dans la caisse d'un retable et pouvait être élargie à toute la parenté, comme dans ce retable de l'atelier de Weckmann, que vous voyez à droite de l'écran. Il restait donc à retrouver la Sainte Anne, séparée de la Vierge et de l'enfant, conservée au musée Unterlinden de Colmar. Eh bien, en 2019, consultant mes anciennes photographies du musée de Guebwiller dans le cadre du programme de recherche, l'idée m'est venue d'associer la Sainte Anne de style balois, conservée dans ce musée, à la Vierge et l'Enfant de Colmar. Et en effet, cette Sainte Anne me paraissait de style, de composition et de format similaire. Marie aurait-elle retrouvé sa mère et l'enfant Jésus sa grand-mère? Un examen attentif de la Sainte Anne en réserve à Guebwiller, avec la collaboration de Panchika Begri de Pape et de Juliette Lévy, restauratrice de sculpture, nous a permis de conforter cette hypothèse. Les parenthèses stylistiques entre les œuvres nous ont paru évidentes. Et l'étude technique a révélé une manière semblable de concevoir les volumes sculptés et d'évider les revers des sculptures à la gouge et à l'herminette. Les traces de l'étau de l'établi qui ont disparu sur la sculpture de Colmar sont ici visibles sur la tête et sous la base. Encrassée, la polychromie actuelle, datable des XVIIe-XVIIIe siècles, recouvre quelques vestiges de la polychromie d'origine. L'observation visuelle devrait être néanmoins approfondie et complétée par des analyses scientifiques. Mon hypothèse s'est trouvée confirmée par l'heureuse réunion des deux sculptures présentées ensemble au musée Unterlinden lors d'une journée d'études en novembre 2019. En raison de la réfection des montants du banc et de la base de la Vierge, il y a quelques différences de format entre les deux sculptures. Néanmoins, nous pouvons aisément les imaginer disposées à l'origine côte à côte dans la caisse d'un retable d'hôtel. Le lieu d'origine de ce retable et les étapes de son histoire ancienne demeurent inconnues. La séparation des deux sculptures date-t-elle du XIXe siècle ? Leur état actuel de conservation, si différent, confirme qu'elles ont chacune vécu une histoire distincte après cette séparation. La Vierge et l'enfant n'est pas connue avant d'appartenir à Théophile Clem. La Sainte Anne déposée au XIXe siècle dans l'église Notre-Dame de Guebwiller avant d'entrer au musée pourrait venir d'un établissement religieux de Guebwiller. De longues recherches dans les archives locales permettraient peut-être d'éclaircir l'histoire de la Sainte Anne Trinitaire. Mais il est difficile de mener des travaux de ce genre dans le temps imparti pour la réalisation des notices de la base de données. Bien d'autres sculptures allemandes nous attendent dans les musées de France. Espérons qu'elles nous réservent d'aussi belles découvertes, occasion d'accroître le plaisir de la recherche. Nous vous remercions. Merci. Alors pour avoir assisté effectivement à la rencontre de l'enfant, de la mère et de la grand-mère, je peux vous dire que c'était un grand moment. Et c'est vraiment quand même des grandes satisfactions de voir que ces recherches qui comme ça paraissent, je veux dire, un peu, presque, comment, je ne sais pas comment dire en fait, difficile de se dire quel va être le résultat concret en fait, mais une approche très concrète des œuvres et justement aussi enrichie par la connaissance qu'on peut avoir justement des restaurations anciennes comme ce Théodore Clem, ce monsieur Clem qui est un personnage tout à fait passionnant. Finalement, on arrive à des résultats très très concrets et qui font bien avancer les connaissances. C'est comme la reconnaissance dans une sculpture du XVIIe siècle à Chaumont d'une œuvre allemande, on a quand même l'impression qu'on a progressé comme ça.